bonjour la famille. Cindy Lecker à Paris. Motemaya. Je ne sais pas si je veux dire la chanteuse Cindy Lecker à Paris, soit Lecker de Koffi Olomide à Paris. Mais la seule chose que j'ai retenue dans tout ça, depuis que Cindy Lecker est à Paris, Maman Alia, elle est dans une palpitation totale. Ça, ce sont mes analyses qui ne me concernent que moi. Je vais vous faire les détails bientôt là. Sinon, partagez la vidéo si vous aimez le contenu. Commentez si vous avez des suggestions. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne ici. Mettez les j'aime et des likes, s'il vous plaît. Alors, ça fait depuis hier, on nous avions vu sur les toits du net, notre légende, l'incontournable, le monument vivant de la musique congolaise, africaine également, Koffi Olomide, dans l'avion first class, dans la classe vraiment de boss, avec à son côté notre chanteuse, notre première dame, la nouvelle première dame de la dynastie latino, autrement dit Cindy Lecker, accompagnée de notre légende dans l'avion direction Paris. Tomoni, on a vu Cindy Lecker à Paris. Vraiment, ce qui m'a attiré de plus, c'est la bague. La bague qui est à la main, la bague de mariage dans les doigts de Cindy Lecker. Est-ce que notre légende a fait le mariage à l'insu du public? Ça, c'est une question que je dois me poser, puisque ça, c'est moi, légende auquel je dois du respect jusqu'à la fin. Que Koffi Olomide est de ceci et cela, fait ceci ou cela, moi, je ne regarde que côté légende. Ce qu'il a fait dans la musique congolaise, sa personnalité et son côté d'humour. Et Koffi Olomide qui se comporte comme Inosbi, il se comporte comme Fali, il se comporte comme Wé, il est partout. Je l'aime comme ça. Alors, les gens disent que Koffi Olomide a un concert, il projette un concert au Zénith et au Arena, de telles choses. Moi, ça, ça ne me regarde pas. La vidéo que Maman Alia a fait dernièrement, c'est ce qui me fait vraiment jouir. Et là, commencé par ça, là, qu'elle fasse 25 ou 26 ans. Je ne sais pas, 25 ou 26 ans de Makambo. Qu'est-ce qui est derrière les 25 ou 26 ans? Ce n'est pas parce que les gens disaient que Maman Alia a fait avec Koffi Olomide plus de 26 ans, 25 ans. Alors, c'est pour cela qu'elle a dit, ok, qu'eux puissent faire 26 ans plus que moi. Je ne sais pas. Si Alia veut dire que avec le mari qu'elle a aujourd'hui, si elle a un mari, elle va vivre plus longtemps que les 25 ans. Ce sont des polémiques que moi je ne comprends pas et je ne veux même pas entrer en détail. Ce que je sais est que les doigts de Cindy Lecker a une bague de mariage. Cette bague, il a déjà alias là-bas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, j'ai vu la vidéo où Maman Alia, elle a commencé à palpiter, elle a commencé à dire n'importe quoi. Ce que je veux dire à Maman Alia, les réseaux sociaux, comme je l'avais prédit dans la vidéo précédente, il y a presque 3 semaines ou bien 1 mois. Maman Alia, à chaque fois que vous viendrez sur les réseaux sociaux, comme vous êtes une personne publique, vous êtes une figure publique, même que ce soit dit Stone, les gens vont parler de vous. Ce n'est pas parce que notre légende Koffi Olomide dit de ne pas vous attaquer qu'on ne peut pas vous attaquer. On peut vous attaquer positivement, soit indirectement, d'une manière ou d'une autre. À savoir que, comme quand on vous voit en train de danser sur les réseaux sociaux, c'est que tu as accepté les critiques. Tu es prête à recevoir des critiques de tout le monde. Avec votre Noko que vous êtes en train de dire, tonton, c'est pas Noko. Le monsieur là, il vient se jeter là où on ne peut même pas se jeter. Puisque tu ne peux pas faire des polémiques avec un artiste. Koffi Olomide, que vous voyez là-bas, si vous connaissez l'histoire de Koffi Olomide, depuis avant Papa Wemba, de Zaïko, il a fait des polémiques avec tous ces gens-là, mais il n'a jamais été
abattu. Il a toujours été sorti vainqueur. Regardez l'histoire de Koffi Olomide. Avec tous les musiciens, avec qui que ce soit, il s'en sort toujours victorieux. Même s'il frappe une femme, il sort victorieux. C'est un homme qui a été béni, qui a une main de Dieu sur lui. Attention avec Koffi Olomide Noko. Ce qui tient Noko, si tu es tonton, ne soyez pas influencé par la présence de Didi Stone. Que tu le veuilles ou pas, Didi Stone c'est la fille à Koffi Olomide. Ils peuvent avoir des problèmes aujourd'hui. Didi Stone sera toujours la fille à Koffi Olomide. Si Koffi Olomide tombait aujourd'hui, c'est Didi Stone qui va pleurer. Si Didi Stone tombait aujourd'hui, c'est Koffi Olomide qui va pleurer. Alors vous, quand vous vous dites des tontons, que tu sois tonton, que tu sois noko, si tu veux venir faire des baises contre Koffi Olomide, attends-toi avec des surprises. Si tu viens faire des blablabla juste pour nuire Koffi Olomide, mon frère, mon tonton, Koffi Olomide n'est pas ton camarade. Mon frère, Koffi Olomide n'est pas ton ami. Koffi Olomide, on les reçoit comme des présidents dans beaucoup de pays africains. Mais toi, personne ne te connaît. Tu veux venir juste te faire voir derrière les petites influences de Didi Stone. Ne fais pas ça pour nuire à un monsieur comme Koffi. Koffi, il a prouvé au monde qu'il peut avoir une autre femme. Tu as vu ça? Et aujourd'hui, Koffi, dis-moi, depuis que tu as vu Koffi avec des femmes, tu as vu de quelle femme Koffi a appelé le cœur? Il a commencé à scinder le cœur il y a longtemps. C'est aujourd'hui que nous avions vu les fruits de cœur de ces noms-là, que c'était donc la dame de Koffi, c'était la dame magique de Koffi Olomide. Tu as vu ce qu'elle a fait dans les concerts ici en Afrique, partout, des concerts récits. Des concerts vraiment bien récits. Les gens l'ont accueilli comme une reine de la musique congolaise. Cindy, que vous voyez, une femme qui ne parle pas beaucoup. Tain, bois noir, Nzete Moindo. Moindo Yangolo. Ça, Cindy Lecker. Ce n'est pas parce que Maman Alia est claire qu'elle va influencer Cindy Lecker. Non, Cindy, elle est naturelle, elle ne veut pas se changer de peau. Elle aime la couleur qu'elle a. C'est comme ça. Elle ne manque pas l'argent pour changer son corps. Mais elle préfère garder du naturel. Et c'est ce qui attire beaucoup Koffi Olomide. Je pense. C'est ce qui attire Koffi Olomide. Elle est une femme naturelle. C'est-à-dire laquelle elle est naturelle. Quand elle chante, tu l'écoutes, c'est une voix naturelle. Elle ne force pas les choses. Elle ne force pas les choses. Koffi Olomide est tombé amoureux de Cindy Lecker. Aujourd'hui, ce n'est pas la première fois que Cindy Lecker arrive à France. C'est plus de 4-5 fois, je pense. Mais aujourd'hui, elle est venue officiellement et officieusement comme la femme légitime de Koffi Olomide. Notre légende. C'est que la femme, moi, si la légende, Bagoubenga est nani. Comment appelle-t-on la femme d'une légende? Soit on l'appelle le cœur, comme Cindy. Je ne sais pas. Mais ce qui est juste est que Cindy Lecker est en Europe. Et Notre-Dame, notre maman ex-femme de Koffi Olomide, Ma Alia, elle est dans une palpitation totale. Elle n'est pas capable de se ressaisir. Elle fait des vidéos comme elle fait des lives comme un bébé. Protégeons-les, soutenons-la si au paix. Gilmas.